Une grande âme est au-dessus des moqueries, des injures et de l'injustice. Ton attitude déterminera ton altitude. 2021, on est relancé. Pas dans ta tête te bloquer. Et faut laisser les autres se moquer. Et tu n'es pas fait pour être le dernier. Ivan, ça est là le guerrier. Faut te surpasser. Les limites sont juste dans ta tête. Et faut les connaître pour les dépasser. Et tu pourras te libérer de toutes tes chaînes. Lâche mine. Bon, me voilà ta vie, oh. Rien ni personne ne peut t'empêcher de réussir. Il suffit seulement de détermination et de hâte pour briser les barrières et vivre ta passion. Oh, 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 killer. On est nos limités, oh, oh, oh. Par la foi, on va briser toutes les barrières. Franchir les obstacles pour entrer dans notre destinée. À tout service depuis Ouaga. Toi ou de mes seigneurs. J'allais gambirer au loin la main de Dieu. Ok. Je réponds au nom de Vincent Agosso. Je suis un scénariste, un réalisateur cinématographique, je suis un producteur et un metteur en scène. Je suis également le président de l'association des jeunes auteurs pour le développement. En dehors de ça, j'ai aussi une petite structure qui s'appelle Viva Service, c'est une entreprise qui est dans l'événementiel. Voilà de façon ramassée ce que je suis. AJEV est une association dénommée Association des jeunes leaders pour le développement. C'est une association qui œuvre pour l'épanouissement de la jeunesse et la valorisation de la culture béninoise. Quand on parle de valorisation de la culture béninoise, il s'agit de la promotion des secteurs culturels comme le cinéma, la danse, la musique, l'art dramatique, etc. Et si on parle de l'entrepreneuriat, il s'agit des formations pratiques qui peuvent faire propulser, je dirais, la jeunesse béninoise. En grosso modo, c'est juste l'auto-emploi que nous donnons à la jeunesse béninoise. Voilà. D'accord. Le projet Miss Ciné Bénin est un projet statutaire de l'association des jeunes leaders pour le développement. Quand on parle de projet statutaire, c'est-à-dire c'est un projet qui doit être réalisé par an. C'est une obligation pour l'association de réaliser ce projet par an. Alors, Miss Ciné Bénin est, Miss et Mister, voilà, Ciné Bénin est un projet qui vise à former pendant 8 mois les jeunes, je dirais étudiants ou déjà finissants, mais pas des études, en sorte, et qui aspirent à être actrices ou acteurs de profession. Ces jeunes sont recrutés dans le projet Miss et Mister Ciné Bénin dans le cadre de les former pendant 8 mois en actorat, en oratoire, en coaching et développement personnel et en leadership. Je dirais, c'est une formation purement pratique. Comment? Par le biais du projet Miss Ciné Bénin, les candidats arrivent au moins à suivre des formations théoriques par des professeurs titulaires du cinéma. Je peux nommer Dorothée Dognon et autres. Il y a aussi le DGCNCA actuel, M. Ectodan, qui sont des formateurs et autres. Il y a aussi M. Ibrahim, qui est celui qui a la structure là, Benny Woods Industrie. Ce sont des formateurs qui encadrent ces jeunes pendant 8 mois en actorat. Ces formations théoriques sont suivies en même temps de pratiques. Pratiques, c'est genre tournage des courts-métrages qui
les permis qui permettent plutôt de leur entreprise performant dans le film. Et après, maintenant, on les évalue par rapport au film de la finale. Parce que Miss Ciné Bénin, c'est un film qui est tourné, un univers qui est tourné, qui est projeté à la finale. Un film sur lequel le jury essaie plutôt de jauger le niveau de chaque candidat et de chaque candidate. C'est-à-dire, on jauge ta performance dans le film. Comment tu joues, jeu d'acteur, émotion, articulation des mots, maîtrise du scénario. Tout ça, il compte. Et le jury compare ce qui est dans le scénario à ce qui a été joué par l'acteur dans le film. C'est ça, en grosso modo, Miss et Mister Ciné Bénin. Maintenant, après le tournage du film, ce film, il y a la finale de l'événement Miss et Mister même, Ciné Bénin. Ce film est projeté, suivi par le public et par le jury qui est noté. Après ça, il y a les autres disciplines, les autres phases de Miss et Mister Ciné Bénin qui passent. Maintenant, après l'événement, la soirée là, même de la finale même, ces ambassadeurs et ambassadeurs du cinéma béninois deviennent, je dirais, des personnes phares du cinéma béninois. Et ces personnes doivent œuvrer pour le développement ou pour l'évolution ou pour la révélation du cinéma béninois. Sans qu'ils sortent le projet Mister Ciné Bénin. Mais ce n'est pas seulement Miss et Mister, parce que c'est un projet d'envergure internationale. Un projet qu'on vise à propulser vers, au-delà de notre frontière béninoise. Il s'agit de Miss et Mister Cinéma Africa. C'était le projet même ça. Mais avant de parler de l'Afrique, il faut d'abord qu'on commence par notre propre, je dirais, pays, raison pour laquelle on a commencé par Miss Ciné Bénin en 2018. Mais c'est 2019 même que le projet Miss Ciné Bénin est entré en jeu. Voilà ce que je peux dire de façon ramassée sur Miss Ciné Bénin, qui est une formation pratique et théorique, et que les candidats sont, les personnes qui ont délivré plutôt des attestations professionnelles signées par et à Juliette et Cynthia. Voilà ce que je peux dire sur Miss et Mister Ciné Bénin. Miss Ciné Bénin 2021, vous savez, quand on a un projet, il faut toujours penser à son évolution. Il faut toujours penser à la mutation du projet, c'est-à-dire le fait d'apporter quelques touches plutôt pour que le projet soit un projet phare. Beaucoup sont des projets qui, d'ici 2 à 3, 4 ans, 5 ans, meurent. C'est-à-dire que ces projets n'existent plus. On ne peut pas en citer, il y en a beaucoup au Bénin. Nous, notre projet, c'est comment faire pour que chaque année, qu'il y ait d'envie de venir toujours découvrir les talents et autres. Donc du coup, pour cette année 2021, nous disons que ce qu'on a ajouté d'abord, c'est le fait de misser Mister dedans. Sinon, c'était juste Miss Ciné Bénin qu'on faisait. Maintenant, en 2021, nous avons Mister dedans. Ce qui voudra dire que le film qui sera tourné sera uniquement les candidats et les candidats qui ont joué dans le film. Personne ne doit jouer dans le film à part les candidats et les candidates. C'est ce que nous voulons apporter cette année. Pour cette année aussi, je peux aussi dire que avant, quand on dit danse traditionnelle, c'est seulement les candidats, une candidate qui danse ou bien qui parle ou je dirais qui fait la démarche en question. Mais cette année, c'est toujours en duo, un homme et une femme, c'est-à-dire le numéro 1 et le numéro 2. Le numéro 1 et la numéro 1, c'est je peux qualifier la femme ici, numéro 1 et numéro 1, c'est-à-dire les deux se jumellent pour pouvoir former un duo de tout le passage. C'est une innovation que nous voulons apporter, sinon on devait faire la fin de Mister à part et de Miss à part. Nous voulons combiner les deux ensemble. Alors, à part ça, ce que nous voulons aussi apporter cette année, c'est que les candidats soient vraiment des personnes qui décident d'être vraiment acteur ou actrice de profession. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on cherche pour chercher. C'est-à-dire, une personne qui a juste entendu Miss ou Mister, je dis, je viendrai pour être gagnant et pour prendre une moto ou pour prendre une voiture ou pour prendre quelques billets de 1000. Non, ce n'est pas ça. Notre projet n'est pas ça. Notre projet, c'est formateur. Ça permet d'être professionnel dans un domaine donné. Et le domaine que nous avons choisi, c'est le cinéma. Que ça soit clair dans la tête de tous ce que nous voulons apporter cette année. Donc du coup, on veut des candidats potentiels, des candidats de valeur qui peuvent vraiment incarner la vertu cinématographique béninoise. Voilà ce que je peux dire sur l'ambition que nous avons cette année. Voilà. Pour l'instant, vous savez, au Bénin, rien ne se fait sans difficulté. Nous sommes en train, c'est pas facile, mais nous savons que nous y arriverons. Parce que tout comme faire, tant qu'on a déjà commencé, on va forcément aller au bout de nos rêves. C'est pas facile, nous sommes en train. Pour l'instant, nous sommes dans les préparatifs du casting. Chez nous,
casting, c'est la personne qui a confirmé d'être acteur, de vouloir être acteur ou de vouloir être actrice professionnelle. Je dirais aujourd'hui qu'au moins le projet est en train de s'imposer petitement, parce qu'avant, les gens entendent juste Miss et viennent. C'est après qu'ils découvrent que c'est le cinéma qui est devenu. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est à cause du cinéma qu'ils viennent à l'école. Ce qui veut dire qu'il y a déjà le changement dans la tête des gens, déjà pour le projet. Donc nous voulons plus que ce projet soit un projet phare. Donc du coup, je pense que nous y arriverons, parce que j'ai un bon monsieur derrière moi. Le coordinateur principal actuel, c'est un homme aussi du métier. Donc je pense qu'on n'est pas en train de biaiser avec Gidas. Je pense qu'on ira très loin. Les préparatifs sont en train. Je peux dire ça pour ne pas monopoliser la parole. On est en train. On est en train. Voilà. Miss Né Bénin et Gala des Leaders. En fait, Gala des Leaders a été initié dans le cadre de faire valoir, je dirais, les finalistes. Ce n'est pas seulement les gagnants. Si tu es finaliste, c'est que tu as le niveau. C'est que tu es déjà professionnel dans le domaine du cinéma déjà. Donc du coup, Gala des Leaders a été initié dans le cadre de la remise officielle des attestations en actorat qu'elles ont suivi pendant 8 mois. C'est pas à la finale de Miss ou Miss Ciné Bénin que nous allons leur distribuer l'attestation. Non. L'attestation est remise comme un lot de distinction à la soirée Gala des Leaders. Donc la soirée Gala des Leaders regroupe déjà, je dirais, la majorité des leaders dans des domaines donnés. Secteur culturel, secteur entrepreneuriat, secteur ci, secteur ça. Et ce jour-là, devant toutes les autorités qui ont, je dirais, les leaders qui ont trouvé dans leur domaine, on distingue ces jeunes, leur remet plutôt officiellement l'attestation qui leur servira de, je dirais, de support sur quoi ils vont se baser pour s'épanouir. Voilà. Projet Miss Né Bénin, et je dirais la structure Agila du même, on a l'habitude de demander, si c'est demande de soutien, demande de sponsoring, on en a beaucoup écrit. Beaucoup écrit. Et finalement, j'ai l'impression que le cinéma béninois, personne ne s'intéresse à ça. Il y a beaucoup même qui nous ont dit que est-ce que nous faisons le cinéma. Ce qui nous a étonné même, c'est le fait que les autorités qui sont dans le domaine du cinéma ne croient pas à notre projet. Mais bizarrement, en 2020, la finale de 2020, les a étonnés. Tellement que, au cours de cette finale, où le DJ Cynthia même, M. Eric Todan, a présidé l'année passée, lui-même, il a défendu le projet en disant que c'est du sérieux que nous faisons. Même si nous n'avons pas eu le financement du gouvernement, parce qu'ils nous ont promis, mais finalement, on n'a pas eu. Cette année, nous estimons toujours, ou bien nous comptons toujours sur leur soutien et sur d'autres soutiens, même sur le plan national comme international, parce que le cinéma c'est l'argent. Le film, long métrage qui sera tourné cette année, ça va être duel sentimental. C'est un film qui nécessite au minimum 15 millions avant de tourner ce film. C'est pas un film où on peut tourner et dire on veut faire. Non, non, faisons pas besoin vraiment de financement. Et si les personnes de bonne volonté, les DG, les entrepreneurs, les PDG, les promoteurs culturels, que ce soit nationaux comme internationaux, s'ils peuvent comprendre l'idéologie de notre projet et nous apporter le soutien, que ce soit matériel, financier ou ressources, mais pas que ressources, qui peuvent peut-être faire propulser le projet, ça nous ferait plaisir. Nous sommes ouverts à tout le monde. Et pour nous rejoindre, peut-être on peut nous contacter directement sur le 65 85 13 77 ou le 66 00 15 29. Merci beaucoup. Pour un mot de fin, nous ne pouvons que remercier toute personne physique comme morale. Je ne peux pas tout citer parce qu'il y en a déjà beaucoup qui nous soutiennent, qui nous aident. À commencer par le PDG, Faco Vini Incorporates, l'OTV, Ado TV, ETV, Maya Rico. Je ne peux pas tout citer, ils sont nombreux. Celle-ci a. Même le ministère de la Culture, même je ne peux pas aussi, qui ne m'a pas aidé, le ministère financièrement ne m'a pas aidé. Au moins, par le biais, je suis en contact au moins avec le CNCA, le DG, c'est déjà un de plus pour moi. Le FAC aussi, je pense que même s'ils ne m'ont pas encore donné quelque chose de pratique, au moins, ils m'ont soutenu. Le conseil et tout m'a activé à croire au projet. Je ne peux que remercier tout le monde, toutes les personnes
qui m'ont aidé à m'arriver. Merci. Killer. On est nos limites, oh, oh, par la foi on va briser toutes les barrières, franchir les obstacles pour entrer dans notre destinée. À tout service depuis Ouaga, toi ou deux mes seigneurs. J'allais quand virer au loin la main de Dieu. Dans tes malos, ils vont parler, 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 wow. Mais demain ça va, ils vont copier. Le prince habite en descendant. Les femmes et les femmes. Toujours fort. Oh, 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 oh,